j'ai voulu prendre des cours de sciences islamiques parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai ressenti le besoin d'en apprendre sur ma religion. On est interpellé tous les jours dans son travail, dans la rue, par des amis qui sont pas musulmans. Des fois, il y a des clichés, on ne sait pas y répondre et finalement, on se rend compte qu'on est musulman sans savoir pourquoi on est musulman. Deuxième chose, bah, pour l'éducation des enfants. C'est vrai que les enfants posent des questions basiques et des fois, on se rend compte qu'on est limité et qu'il faut justement apprendre les bases nous-mêmes. Les matières que nous étudions en sciences islamiques sont assez diverses. En fait, on touche à tous les domaines de la religion. C'est les bases en fait. Par exemple, un akhida en spiritualité, ben, on va avoir les bases et finalement, c'est ce qui va nous permettre de bah, trouver des réponses à nos questions simples. Et puis, ça nous donne envie, après, dans le futur, de continuer ces recherches et d'en apprendre davantage. Par exemple, dans la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bah, y a plein d'exemples, malheureusement, qu'on n'utilise pas dans notre vie quotidienne et qui répondent à des situations de tous les jours. Étudier l'histoire nous permet de comprendre notre passé et de mieux vivre notre présent et se projeter dans le futur justement pour améliorer les choses. Et effectivement, en ce moment, on étudie l'histoire de la civilisation islamique, l'histoire des écoles et c'est là qu'on a vu, bah, on a pu comprendre notre actualité. Et finalement, bah, il y a autant de femmes que d'hommes, voire des fois plus de femmes que d'hommes, que là, on est là pour le Coran. Et finalement, on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Et même, il n'y a pas de. Finalement, il n'y a pas de mur. Y a pas, enfin, voilà, on est tous là pour la même chose, de s'enrichir les uns des autres. Excellents professeurs qui sont très à l'écoute. Alors, pendant les pauses, on peut discuter avec tout le monde. Enfin, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, des fois, on peut même envoyer des mails à tout moment. Il y a vraiment une excellente dynamique de groupe dans cette école, que ce soit entre les étudiants eux-mêmes ou étudiants-professeurs. La direction, enfin, voilà, c'est vraiment une ambiance très, très fraternelle et c'est très appréciable. Donc, soyez spontané.